Industrie, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour mon chéri, qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère, ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour ma puce. Bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand médule. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pour moi, mais il faut bien que tu apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestiole? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, maîtresse, je sais. Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, qui t'a fait bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, et la cordelisse alors? Qu'est-ce que vous vous imaginez, que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, allez, Titeuf, prends tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être, avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un cétoïde, c'est pas vrai. Tchou l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Hé, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais? Bah, peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y'en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, y'en a. Oh, on y va. Vas-y, Manu, chape-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça. Je l'ai, je l'ai. Ouais. Merci, madame. On
On y va. Elle tient, Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde. Il a plein de poils partout sur le ventre. Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'as fait quoi alors? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Oh, c'est pas romantique comme musique. D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On n'a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques? Et puis, faites attention, les garçons, ça pique. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Hé, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 31 jours. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclettes de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va, saute! Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes! Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros! Ne croyez pas si courageux, ça! Je témoigne! 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là! Bravo, Titeuf, je suis fière de toi! 30 raclettes, c'est quelque chose! Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf! Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes! Oh, je te jure! Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée, et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudi! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran.
Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Ah! Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors, pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas incroyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. Et aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande fufée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Ça contient trop de force. Il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, tiens, oh, on appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Oh. Hey, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Jim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf, allez Titeuf. Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Edine. Pour la viande séchée, parée, Edine. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Un. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte tout à sa bouche. Attention, attention, un doigt. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein?
suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein. Merci, mon vieux. Parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. Je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Tchou, ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito, tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Tcho! Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Vomito, il est passé où ce gnoc? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi, est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination, vous l'avez vu? Oh, c'est une menteuse, je l'ai vu moi, Vomito, il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que Musclor. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, j'ai ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. Partira. T'as raison. Ben si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Oh non! Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé, et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a planqué la machine à rétrécir. Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute, il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il est vomi miniaturisé. J'ai mal au cœur, Titeuf. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes.
ce pipi. On va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine. De toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Y a quelqu'un? Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini-vomito. T'es notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, eh ben, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Oh là ! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils n'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. Oh non! Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête, et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants! Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Point dans yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend, des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir zéro.
Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu. Pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, eh ben, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras à 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Et voilà, comme ça, ça fera une belle petite ligne. J'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Mr. Bug! Oh, mais non! Tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzé! Et toi alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? Deux revolvers! À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond: oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron! Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, deux revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible céréal killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane, il voulait dire un céréal killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute? Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller? C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut deux volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Et moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Nuke, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidé tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus que parafil? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours. Rattrapez-le. Hé,
Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. Baby-sitter, je suis pas un bébé, moi. Pourquoi est-ce que je devrais supporter une baby-sitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard. Où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, hein! Moi d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! Ah, d'accord, d'accord! Mais pourquoi elle vient pas? Attends, attends, il y en a une autre de photo. Tu sais celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte? Ouais. Si, si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que ça peut la souffler partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. Hé, c'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mésempli, ce feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis, si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah, c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Hé, hey, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Elle a réussi à nous semer, les gars! Mais non! Il est
tout simplement rentrer chez lui. Il n'y a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas appelle ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Ah, ah, oh, oh, je les ai semés. Oh. Ah, ah. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Titeuf, c'est Mana quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire des scrabbles sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit, Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonesteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci, Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec la babysitter. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est anti-surf. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, j'en suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool! Merci, maman! Oh, j'y crois pas! Maman, j'ai pas son numéro, maman! Donne-moi le numéro de Sophie, maman! Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner! Oh! Ah! Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi! Mais enfin! Par ici. Voilà! C'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Oh, le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, on l'a moins. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Oh. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la fin! C'est ça, retourne chez ta mère! Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque! Wesh! C'était d'une force, d'une violence, d'une passion! Elle était vraiment venue pour voir Titeuf! Je suis prête à tout sacrifier pour toi! Je croyais que tu m'aimais! Et lui, royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Prasse! Ouais, je sais! Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc! Je suis un vrai fauve, moi, les gars! On me domestique pas, quoi! Hé, Titeuf! Ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi. Tout ça, ben, c'est rien que des bobards de nuls. Ouais. Ah, le frérot que t'es, toi. C'était même pas frais. Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. Quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire?
Ça, c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parlez à la fin? Ben, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9e sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite, la première. Oh oui, bien sûr, elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter, elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y, quoi, qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui, c'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Titeuf, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ah, ah. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Oh. Ah. Ah. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. Je suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit qui a jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costumes et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans! Mais maman, le thème, c'est mutants et monstres horribles. Et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose aussi joli. Arrête de bouger comme ça, je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça. C'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà, comme ça tu peux descendre, t'es juste en face. Vraiment super. Oh, ça va, mon chéri? Oh, ça, j'y crois pas! Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite! Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costumes et bricolage! Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote! On va trop avoir la honte, je te dis pas! Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais! Et déjà que t'es que 9e sur sa liste! Ouais, ça va! Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller! Mais c'est toi qui rentres le premier! Oui! Allez! Vas-y, prince! T'es sûr que c'est... Voilà... Ben t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne! Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi! Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont du chercher.
Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze! On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête! Allez, viens, on se casse! Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur? Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, hey, le globule! C'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chérie! Ouais! Et toi, t'as de la chance d'être une nana! Ouais! Et puis, c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja! Allez, viens! On se tire de là! Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! T'es vraiment le plus beau, mon Titeuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles Henry? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, hey, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, hey, les mecs! Vous ne pinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi? T'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille super? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèche? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa.
Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titeuf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je vais être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titeuf. Je vais être une vedette de star, ouais. À moi les super big rôles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Ben quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Quoi, une vedette de star? Laisse-moi rire! Lui? Une vedette de star? Eh ouais! Figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais. Et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus Contre-Attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star, alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je vais être une star? Finis d'abord ta séance de photo et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf, maintenant je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpelle! Au secours! C'est une scalpelle! Oh. Mais reviens, Titeuf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hollywood. C'est terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore, encore. Bravo, jeune homme, quel talent. Mon Dieu, quelle émotion. Ça t'intéresserait de tourner dans un film, piston? Un scalpeur. Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh, ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche.
juste. Tchou.